Son daron tape dans le bâtiment, lui il est dans le bas. Les gens lui disent c'est un diban, il prend des claques. Salut tout le monde, c'est Azrox. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online en 1.36. Donc ce sera un glitch pour avoir la tenue de flic. Donc je mettrai le lien de l'activité dans la description. Donc vous devrez lancer déjà une liste. Donc déjà la liste que vous allez créer une liste et mettre l'activité que je mettrai dans la description. Donc elle sera dans vos activités favorites. Une fois que vous l'aurez ajouté à la liste, vous n'avez plus qu'à sauvegarder la liste. Une fois que vous aurez sauvegardé la liste, là vous mettez n'importe quel nom. Donc moi j'ai mis vidéo. Donc ce sera pour la vidéo où j'avais fait cette liste. Donc là voilà, ça va faire un petit chargement. Et là vous allez pouvoir la lancer. Donc vous allez dans liste, mes listes. Et là vous allez lancer la liste. Donc là c'est la partie la plus simple, enfin, on va dire. De toute façon, ce glitch, il est pas très compliqué. Il est juste un peu long à faire pour la partie d'après. Donc là, vous allez spawn dans l'activité. Là, vous allez laisser tout comme ça. Là, vous allez pouvoir lancer l'activité. Donc une fois qu'elle sera lancée, vous allez devoir prendre n'importe quel véhicule et n'importe quoi en fait. Vous allez devoir faire continuer. On s'en fout un peu de ce que vous allez choisir comme véhicule car vous serez à pied déjà. Donc là ça va être un peu buggé on va dire et vous allez sortir à pied de votre appartement. Donc là pour ma part il y avait une vue dans le vide et là vous avez un petit compte à rebours. Et à partir de ce compte à rebours vous devrez attendre 30 secondes dans cette activité. Donc là je pense que je voulais passer en accéléré. Donc on se retrouve juste après l'accéléré. Donc une fois les 30 secondes passées, vous avez plus qu'à quitter l'activité et on se retrouve juste après le chargement. Donc une fois que vous avez spawn dans une session, vous allez devoir lancer la même activité que moi. Donc là, vous n'avez pas besoin de la chercher dans le social club ou la mettre en favori. Vous allez aller dans jouer activité, aller dans créer par Rockstar, puis aller dans versus, puis camionnage à risque. Donc personnellement, je suis allé dans mes favoris car faut vraiment héberger l'activité pour réussir le glitch. Car quand vous lancez camionnage à risque dans les versus sans le mettre en favori, vous allez pas être haute et là ça va être compliqué. Donc là j'ai invité des personnes, on se retrouve quand on sera le nombre qu'on voudra en fait. Il faudra juste que vous soyez en communication avec eux. Car si vous n'êtes pas en communication avec eux, ça va être vraiment compliqué à réaliser le glitch. Car il faut vraiment avoir un petit top dès que vous allez... changer et lancer la liste précédente qu'on a fait juste avant. Donc là vous allez lancer l'activité. Là vous allez bien sûr mettre comme moi dans les tenues versus vous allez mettre justice et vous allez mettre que vous êtes prêt à jouer. Donc bien sûr si vous n'êtes pas dans la bonne équipe, inversez avec votre ami pour avoir la tenue de flic. Donc aussi j'ai oublié de vous le dire, regardez bien les paramètres que j'ai mis avant de lancer l'activité. Là je sais plus ce que j'avais mis pour avoir la tenue de flic mais il y a des paramètres spéciaux à réaliser. Donc là si vous n'avez pas vos armes, vous avez obligé de mettre vos armes, vous allez aller tout droit dans l'eau avec le camion. Donc c'est pas grave, faut vraiment aller le plus vite possible dans l'eau avec le camion pour faire échouer l'activité. Donc là personnellement j'avais pas mes armes parce que j'avais oublié de mettre, j'avais mis imposé plus carte et il faut mettre joueur plus carte. Donc là vous allez aller dans l'eau avec le camion, donc ça va être vraiment très simple, vous allez sauter dans l'eau, ça va faire échouer la mission, donc votre ami va être le vainqueur. Et là c'est là où tout va se jouer et tout va aller très vite. Donc là si vous êtes vainqueur ou si vous êtes perdant, peu importe, mais normalement vous devrez être perdant car c'est vous qui qui explosez le camion. Donc là dès que l'activité elle est finie, vous allez devoir aller dans votre liste, donc vous likez et en fait votre ami va devoir... faire rejouer et à vous dire quand appuyer. Donc là vous allez aller dans mon profil activité récente, vous allez cliquer sur Azrox ici la liste. Donc moi mon pseudo Azrox, mais il y aura votre pseudo. Donc là le truc c'est qu'il faut le faire dès que vous êtes dans le truc des likes et tout, car ça met pas mal de temps à charger des fois. Donc là vous êtes prêt à rejoindre la liste et en fait votre pote va vous dire le compte à rebours et dès que ce sera à zéro, dès que votre pote vous dira que ce sera à 0, vous allez cliquer. Donc comme vous pouvez le voir, il a cliqué sur rejouer lui. Dès qu'il voit le bouton rejouer, il a cliqué. Et après il y avait le compte à rebours. Donc moi il me disait
Il me disait au micro le compte à rebours, donc c'est pour ça que je vous ai dit d'être avec un ami de préférence car c'est beaucoup plus simple à réaliser le glitch. Donc là on se retrouve juste après le chargement. Donc là vous allez spawn normalement dans votre garage, là vous allez refuser le premier message d'erreur et là il va avoir un petit bug, c'est que comme vous apparaissez directement dans votre garage, il va falloir que tout spawn en fait. Donc là il y a normalement vous aurez une image figée. Ou pour ceux qui ont une meilleure connexion, normalement vous aurez pas une image figée. Donc là comme vous pouvez voir mes véhicules ont apparu, j'ai la tenue flic. Donc là vous avez plus qu'à la sauvegarder et quitter la session. Donc ça va être très simple, vous allez devoir aller dans votre garde-robe pour aller la sauvegarder. Donc on va le faire avec vous. Donc on va monter la sauvegarder. Donc vous montez dans votre ascenseur ou peu importe votre garage. Donc vous allez aller vers la garde-robe de votre appartement ou maison. Il y en a qui ont des maisons et ça marche aussi. Donc là une fois que vous serez en haut, vous irez vers votre garde-robe pour aller la sauvegarder. Donc c'est vraiment très simple comme glitch, faut vraiment être accompagné d'un ami, je le conseille, car autrement il ne saura pas faire rejouer et vous dire quand ce sera à zéro. Donc là vous allez sauvegarder la tenue. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai perdu toutes mes tenues Tron à part la tenue verte. Donc ça c'est vraiment Rockstar, mais j'ai pas perdu mon argent. Donc là une fois que vous avez fait ça, vous allez faire start en ligne, faire trouver une nouvelle session, car en fait vous êtes dans l'activité. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et puis bye tout le monde.